En 2016, tout le monde jouait à Pokémon Go, et moi aussi je jouais à Pokémon Go tous les soirs dans Paris. Et ça permettait de faire des rencontres un peu improbables. Au début, je chassais les Pokémon toute la journée, mais même toute la nuit. Et il m'est arrivé, en chassant les Pokémon, de me retrouver dans un parc la nuit à Bercy. Et là-bas, c'est pas hyper bien fréquenté. On va dire que si tu veux trouver, par exemple, de la drogue ou des choses comme ça, tu peux en trouver. Sauf que moi, j'ai vu qu'il y avait des Monsieur Mimes dans le parc. Et en 2016, les Monsieur Mimes, ils sont hyper rares. Et du coup, je vais dans le parc pour chasser des Monsieur Mimes. Il fait froid, donc j'ai une capuche. Et je suis là, la tête baissée, en train de regarder mon téléphone. Et vraiment, je m'avance dans le parc pour trouver le Monsieur Mime. Et j'arrive dans un endroit mais hyper sombre et qui fait un peu flipper. Et là, je suis en train de chasser les Pokémon quand j'entends des pas derrière moi. Je vois un couple qui arrive, il est 1h30 du matin. Il fait noir et tout. Et là, le couple me regarde, ils me disent: t'as des tasses? Et moi, je comprends pas ce qu'ils me disent. Et je leur dis: ah non, c'est des Monsieur Mime. Et là, je les vois, qui comprennent pas. On reste, je sais pas, 15 secondes à se regarder, à faire des regards bizarres. Et eux, ils font: ok. Et ils s'en vont. Et moi, je fais: bon. Et je continue à chasser le Monsieur Mime. Et le lendemain, j'en ai parlé à un pote. Et il m'a dit: mais il voulait de la drogue. Ah bon? Des tazes, diable de Tasmanie. Mais non, des extas, des tazes. Ils ont dû te prendre pour un con. Et la surchute de l'histoire, c'est que j'ai continué à chasser mes Monsieur Mime dans le parc. Arrive 2h du matin, quand il y a deux racailles qui se ramènent, capuche et tout. Ils viennent vers moi et je commence à flipper. Et là, le mec me fait: il y a des Monsieur Mime? Et je fais: oui. Et on a passé toute la nuit ensemble. On a chassé les Pokémon toute la nuit ensemble.